Bon, ce mois de septembre, bien évidemment, difficile comme d'habitude de couvrir toutes les sorties. Mais difficile aussi de ne pas voir que il y en a beaucoup moins, parce que c'est une période un peu charnière où les distributeurs ont forcément envie de balancer des grosses bombes comme ça. Ça ne nous empêchera pas tout de même d'avoir quelques rattrapages à chroniquer en ce mois de septembre. Donc c'est parti! Il est souvent compliqué lorsqu'on est un cinéaste qui vient plutôt du monde du live, ou en tout cas où on tourne avec de vrais acteurs, de passer à l'animation. Et lorsqu'on décide de le faire, c'est souvent bien d'être bien entouré. Zabou Breitman s'est donc allié à la jeune conceptrice d'animation Eléa Gobe-Movelec pour nous proposer une adaptation assez surprenante et émouvante, en termes de style, du roman de Yasmina Kadra. Pour un moment de cinéma, tout simplement délicieux et rare, une œuvre aussi émouvante que touchante, mais avant tout, une œuvre politique et moderne essentielle que les deux auteurs ont voulu comme une expérience. Cela se ressent de bout en bout de métrage, le film est réellement conçu comme une petite expérience de cinéma unique en son genre, un film à la pastel tout ce qu'il y a de plus beau, mais surtout une œuvre remplie d'une émotion fine et sincère qui transporte notre petit cœur de spectateur de bout en bout de métrage. Un film poétique et surprenant qui a en plus le gage d'avoir un très très bon casting vocal sublimé par la présence de la belle Zita Enrant. La famille, on l'aime ou on la déteste. Et je pense qu'au sein du cinéma, encore plus au sein du cinéma français, on aime nous montrer cela de manière, on va dire, brutale et directe. Cédric Kahn décide donc de mettre ici en scène une famille, peut-on le dire, assez déficiente, qui va se retrouver durant un repas de famille à devoir faire face au retour d'une sœur qui n'était pas forcément souhaitée durant cette dite réunion. Le cinéaste donne lieu à un enchaînement de fragments de comédie où des situations laissent rapidement place au drame de la toile de fond familiale qui se met en scène devant nous. Et pour le coup, en termes d'histoire et de personnages, c'est assez maladroit, mais tout de même extrêmement touchant. Ce qui marche en fait, c'est surtout le casting qui se donne à fond pour les personnages et du coup fait en sorte qu'on se laisse totalement entraîner par cette histoire malgré les maladresses assez évidentes d'une écriture qui se veut émotionnelle mais qui devient rapidement juste maladroite. Kahn ne brille pas par sa subtilité, ça c'est clair et net, mais il a le mérite d'offrir quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on voit d'habitude au sein du cinéma français. Donc, rien que pour ça, on peut tout de même saluer le geste. Souvent, voire même très souvent, le cinéma français aime beaucoup se jouer de ce qu'attend le spectateur d'un long métrage et surtout de ce qu'il espère voir sur une toile de cinéma. Après sa comédie musicale autour de la jeunesse de Jeanne d'Arc, Bruno Dumont décide de nous montrer sa vie durant les batailles jusqu'à son chemin vers le bûcher, pour une œuvre qui ne manquera pas d'en laisser plus d'un perplexe, y compris moi, mais qui reste une œuvre de cinéma surprenante et assez jouissive au bout du compte. Mêlant avec un certain brio, contemplation extrême et romantisme avoué pour la vie de cette femme, le cinéaste français en découle une œuvre pas vraiment subtile, pas vraiment juste, pas forcément passionnante, mais avec une forme et un fond assez génial qui passionne autant qu'il peut laisser perplexe, mais qui reste un moment de cinéma extrêmement atypique et jubilatoire, porté qui plus est par une actrice tout simplement époustouflante. Surtout quand, au milieu du film, un prêtre se lève, retire la capuche de sa robe et laisse apparaître Christophe qui se dit que ça serait bien de pousser la chansonnette. Le romantisme prend de nombreuses formes au sein du cinéma moderne. Parfois, c'est là pour questionner le spectateur, et parfois, plus radicalement, ça cherche à lui faire redimensionner l'idée même d'amour. Daniel Lesovitz nous embarque dans une romance assez surprenante, celle d'un jeune homme débarquant dans Harlem sans le moindre repère, et celle d'une jeune femme faisant partie de la communauté trans du quartier, pour un moment de douceur et de romantisme extrêmement touchant, assez iconoclaste, mais également terriblement moderne. On sent que la cinéaste avait surtout envie de nous faire totalement ressentir la passion qui naît entre ces deux êtres, pour un moment de cinéma d'une rare et intense beauté, pas forcément nouveauté, mais ça reste particulièrement soigné en termes de forme, en termes de rythme, de fond, et surtout en termes de cinéma pur et dur, parvenant à donner lieu à un amour moderne, ancré dans les mentalités actuelles et d'une intensité qui peut toucher tout le monde. C'est tout simplement beau, et parfois c'est tout ce qui suffit pour faire tenir une romance au sein d'une toile de cinéma. On aime quand la réalité de notre monde est confrontée au pouvoir du cinéma. Surtout quand, au milieu de tout ça, il y a une petite pointe de politique et de société.
Grimur Håkonarsson a donc souhaité mettre en place une œuvre sur le monde des agriculteurs en construisant cette guerre du lait comme un immense pamphlet politique et moderne autour de la vie, autour de la mort, mais surtout autour de la difficulté que rencontrent certains agriculteurs à s'en sortir au quotidien avec le poids du marché. En développant son récit ainsi, on sent que le cinéaste commet quelques maladresses, et surtout, met beaucoup trop de temps à mettre en place la base de son récit, soit cette fameuse guerre. Mais l'idée est tout de même là. Et au fond, même si c'est maladroit, on se sent tout de même impacté et touché par ce qui se passe, cela venant surtout de la mise en scène inventive et profondément réaliste du metteur en scène islandais qui arrive à totalement nous embarquer avec son personnage. Une grande fresque politique, économique et féministe qui est dans la pure lignée de Woman at War pour ceux qui arriveront à capter la petite référence. Les enfants sont l'avenir. Tout le monde n'arrête pas de le dire, mais je pense qu'il était peut-être nécessaire de le montrer sur une toile de cinéma pour confirmer cela. Le cinéaste français Gilles de Maistre choisit de nous donner une petite leçon de vie en abordant la thématique de ces enfants qui, aujourd'hui, font bouger les choses à leur niveau, en essayant de faire avancer la société dans la bonne direction et en sachant exactement comment mettre en relief la générosité de notre monde. Bon, ce n'est pas un documentaire subtil, ou même simplement élégant dans son geste. Mais le message qui en découle reste tout de même assez impactant et fort pour nous marquer, et surtout pour nous rappeler que ces enfants sont l'avenir, et que si l'avenir prend cette forme, il sera tout de même assez beau à voir. Pas forcément juste, ou même simplement honnête, mais finalement représentatif de la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Un joli message, dans un film, disons-le franchement, assez maladroit, mais qui sonne comme étant tout de même sincère. Il y a des films, parfois, qui arrivent à faire leur petit bout de chemin au sein de certains festivals sans qu'on ait réellement besoin de parler ou de les mettre en avant. Oliver Lax a réalisé cela en ayant son nouveau long métrage auréolé du prix du jury du festival Un Certain Regard à Cannes. Et franchement, on comprend pourquoi lorsque l'on se retrouve face à cette œuvre particulièrement imposante, magnifiquement jouissive et intense visuellement, mais assez vide en termes de propos et de profondeur. Il est évident que le cinéaste espagnol avait avant tout envie de jouer sur une certaine forme de puissance graphique et de métaphore dramatique. Mais franchement, le long métrage aurait mérité d'être un peu plus direct et juste dans son traitement des personnages, avant de tout de suite partir dans cette direction lente et peu évocatrice où tout n'est que métaphore, profondeur métaphysique et visuelle, et intense instant de planement dramatique, pas si utile au récit que cela au fond. Une longue et lente descente dans un abîme, tantôt visuellement époustouflant, mais dramatiquement assez vain et inutile. Parfois, on veut offrir aux spectateurs un exercice de style, visuel, graphique et sensoriel, qui sortent un petit peu du lot. C'est bien, mais faut savoir comment maîtriser l'exercice. Franck Beauvais avait envie de nous proposer cela. Un exercice de style au cœur de sa psyché et d'une année compliquée où autour de 400 films visionnés, il a cherché à cerner qui il était et pourquoi il était dans cette position inconfortable. Du coup, l'œuvre qui en découle est un fantastique exercice de montage, extrêmement vain d'un point de vue dramatique et immersif, puisque l'on se retrouve totalement perdu au cœur même d'une œuvre assez maladroite et clairement beaucoup trop sombre pour nous passionner. Beauvais passe son temps à voir le noir, là où la lumière est nécessaire. Et même si cela reste beau, franchement, au bout d'un moment, cela devient lassant d'entendre encore et toujours la même chose, et même si on est passionné par une grande partie du montage et des parallèles faits, la forme reste clairement bâtarde et assez vaine. Un bel exercice de montage, en somme, mais alors complètement loupé par le regard noir, défaitiste et pessimiste d'un auteur qui ne voit absolument rien de bon dans l'humanité. Bon, on avait encore une fois quelques films, mais on a réussi à aller jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça le plus important. Et comme d'habitude, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.